Préparation du point de lubrification. Nettoyez le point de lubrification avant l'installation afin de protéger l'intérieur du palier contre les contaminations. Retirez le graisseur, mesurez le filetage et sélectionnez si nécessaire le raccord de réduction adapté. Appliquez un produit d'étanchéité sur les filets du raccord de réduction et à toutes les autres pièces de raccordement et vissez-les sur le point de lubrification. Prégraissez le point de lubrification et toutes les pièces accessoires. Assurez-vous d'utiliser le même lubrifiant que celui de votre système de lubrification. Observez toujours les instructions de lubrification du fabricant. Pour un montage déporté, veuillez vous assurer que tous les accessoires et flexibles de graissage sont pré-remplis de lubrifiant. Activation. Notre logiciel gratuit PermaSelect ou le diagramme dans le catalogue Perma pourront vous aider à trouver la durée de distribution optimale pour votre application. Introduire le guide de pile Perma StarVario au fond du mécanisme d'entraînement jusqu'à ce qu'il soit enclenché dans sa position. Dès que la pile est correctement enclenchée dans sa position, le système lancera un autotest pour vérifier le moteur, l'écran et les voyants. Placez le mécanisme d'entraînement sur l'unité LC en veillant à ce que les dentures des deux parties s'imbriquent. Tournez la bague filetée sur l'unité LC jusqu'à ce que les flèches blanches soient complètement visibles. Pour accéder au menu, maintenez la touche 7 enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le trait clignotant indique que la taille souhaitée de l'unité LC peut être sélectionnée. Appuyez sur la touche pour sélectionner la taille 60, 120 ou 250. Le système enregistre automatiquement votre sélection. Le système passe ensuite au réglage de la durée de distribution. Une fois que le système de lubrification a été programmé pour la première fois, le système enregistre tous les réglages et s'éteint. Inscrivez sur l'étiquette du système de lubrification avant l'installation et dans la zone prévue à cet effet la date d'activation et la date de remplacement estimée. Installation. Retirez le bouchon de sortie du système de lubrification et vissez ce dernier sur le point de lubrification puis serrez-le à la main. Pour la mise en marche, appuyez sur la touche 7 pendant au moins une seconde. Une marche initiale suivra peu de temps après. Les voyants verts clignoteront pour indiquer le bon fonctionnement du système. Une fois que la durée de distribution est écoulée, l'unité LC PermaStar doit être remplacée par une nouvelle unité LC avec le même lubrifiant. Vous devez également remplacer l'ancienne pile par une nouvelle. Pour une élimination appropriée de PermaStar Vario et de la pile vide, veuillez respecter les réglementations d'élimination des déchets en vigueur de votre pays. Pour plus d'informations, veuillez vérifier les instructions d'utilisation.